En 1985, un pilote de Nome en Alaska et sa jeune épouse étaient en route vers Anchorage, où ils devaient prendre des correspondances pour leur lune de miel. L'heureux pilote avait planifié les festivités depuis un certain temps. Malheureusement pour eux, ce jour-là, le temps s'est gâté. Alors, il a posé son Cessna 180 sur flotteur. Il a roulé jusqu'au rivage. Or, lui et sa femme ont cherché un endroit pour planter leur tente pour la nuit. Ayant trouvé un endroit, il s'est tourné vers l'avion pour aller chercher la tente avec sa femme qui le suivait. Alors qu'il se sentait satisfait en tant qu'homme d'avoir trouvé une solution à un problème qui s'était présenté de manière inattendue et se réjouissait de la façon dont sa vie allait changer pour le mieux, il a soudainement entendu sa femme crier derrière lui. Alors il s'est retourné et a vu un homme bipède velu courir de l'endroit vers les bois avec sa femme sous l'un de ses bras. Le pilote a poursuivi la créature avant de se rendre compte qu'il pourrait mieux l'arrêter avec une arme à feu. Il a donc rapidement fait demi-tour et retourné à l'avion et a saisi son fusil. Il a ensuite suivi la créature, l'a vu trois fois avant de finalement la perdre de vue. Il a ensuite trouvé un morceau de tissu du vêtement de sa femme. Après une recherche exhaustive qui s'est poursuivie toute la nuit, où il a appelé à plusieurs reprises le nom de sa femme, mais n'a rien entendu, il est retourné à sa tente, épuisé, mais a gardé l'espoir que sa femme pourrait d'une manière ou d'une autre revenir grâce à ses efforts. Il n'a dormi que 2 heures environ, se réveillant chaque fois que le vent tournait. Après s'être levé à l'aube, il a de nouveau appelé sa femme, mais n'a reçu aucune réponse. À ce moment-là, il a pris l'avion pour Anchorage et a signalé l'incident aux policiers de l'Alaska, qui ont commencé des recherches, mais n'ont pas pu obtenir de résultats positifs. L'épouse n'a jamais été retrouvée et le pilote est resté désemparé et dans un cas désespéré pendant des années.